Bonjour, je suis Franck Aznav, je travaille pour la société Bosch et je suis en charge de la transformation digitale des villes, des centres commerciaux et du retail. Le lien avec Synox, il est simple, c'est-à-dire que nous, Bosch, on développe certains capteurs de l'IoT et donc on a un nouveau capteur pour la gestion des places de stationnement. Et donc, on a besoin de créer un écosystème autour du capteur parce que nos clients finaux ne veulent pas un capteur. Ce qu'ils veulent, c'est un guidage des conducteurs, c'est de l'information sur une plateforme sur la gestion de leur espace. Et donc, naturellement, on en est venu à discuter avec Synox pour que Synox, à travers ses plateformes SOM2M et SODATAVIS, puisse récupérer les informations de nos capteurs et puis soit donner de l'information au gestionnaire sur SODATAVIS ou envoyer de l'information sur de la signalisation pour les conducteurs. Alors, il y a eu plusieurs messages, mais disons déjà le premier message d'aujourd'hui, il est sur la digitalisation des lieux physiques. C'est-à-dire que ce soit une collectivité territoriale, un centre commercial, a besoin d'avoir des informations sur ce qui se passe dans ces lieux physiques, sur les flux, s'il y a des événements exceptionnels, s'il y a des événements récurrents. Et donc, aujourd'hui, soit avec des capteurs IoT, soit avec des caméras, on est capable de remonter de l'information sur des plateformes, telles celles de Synox ou d'autres, suivant les besoins des clients, et analyser ces données pour que nos clients puissent prendre ensuite des décisions quant à la gestion de leur espace physique.